Mama told me when I was young, listen closely to what I say. Don't live too fast. Troubles will come, they will pass. And be a simple kind of man. Oh, won't you do this for me, son, if you can? Hey, what's up, my dudes? I heard y'all loved hunting. Well, we gonna hunt some shit. Est-ce que ça va depuis quelques minutes? Vous avez eu le droit à quasiment entièrement Benoît Tournetois. Qu'est-ce que je cherchais? Parce que oui, je vous rappelle qu'il faut qu'on foute de la musique, parce qu'il y a de la musique dans le jeu, mais c'est de la merde. Et j'aimais bien la musique la dernière fois. Pour l'instant, on va pas foutre de musique. Mais ouais, on va faire un petit coup de cabella. On va chasser quelques animaux, parce que pourquoi app? Et je pense que c'est plutôt bien amené, juste après la déception qui était Far Cry, comme on dit. Elle m'a dit ah ah. C'est la chanson avec laquelle il m'a dragué. Ah d'accord, ok, j'avais pas vu ton petit message vu que j'étais en train de setup mon truc, mais très classe, bravo Poons. Alors attends, je vais foutre de la musique, bouge pas, qu'est-ce que je voulais mettre? American Blues Royalty Free. Y a pas un genre de compilation? Qu'est-ce que j'avais mis la dernière fois là? J'avais une putain de compilation super longue avec uniquement des chants, d'espèces de blues. Blues royalty free. Fous un scope, je t'en supplie. On verra. Qu'est-ce que j'avais mis la dernière fois? Country? Ah, peut-être country alors. Country royalty free. Comme ça, on est sûr. Top tracks. Tiens, regarde. Yes. And I like going down in my backyard and shooting Mexicans. Bon, j'arrête avec les Mexicains parce que à chaque stream où je fais du cabella, je chante des trucs sur des Mexicains, donc on va arrêter tout de suite. Donc, on avait chopé le 12 gauge et il fallait qu'on défonce des trucs. Attends, qu'est-ce qui cracote dans mon oreille? Est-ce que je crois... Non, je dois avoir chopé un cancer, c'est pas grave. Comment ça le... Ah, ta gueule, voilà. Ça, c'est locked. Il faut un arc et des têtes 450. Ok, pour l'instant, on peut pas. Un 4. Est-ce que j'ai un scope? Est-ce que j'ai chopé un scope? Je me souviens même plus. Le x4. Oui, j'ai chopé le x4, dis donc. J'avais oublié. Et il faut juste du 270 partitionné. On va en prendre... voilà, on va en prendre 10 et on va prendre un masque pour pas puer des couilles. Ça va être impeccable. Et du coup, normalement, on va pouvoir faire ça tranquillement. Il faut buter 3. Oh la vache. Chut, chut. Ok, on a tapé le Bertrand Canta, Super Tramp et autres minorités dans le stream de RE2. Depuis quand les Mexicains ça gêne? Parce que je les aime bien, les Mexicains. Du coup, ta race. Allez, c'est parti. Il faut buter 3 cerfs. 3 cerfs white tail, comme on dit. Ok, donc il y en a peut-être juste devant là. C'en est ça? C'est quoi cette merde? C'est du péruvien? Attends, qu'est-ce que c'est? C'est quoi déjà la touche pour les binoculaires? B, comme les bumelles. C'est quoi ça? C'est bon, c'est les white tail deer ça. Ça c'est femelle, ça c'est un mâle. Femelle. Lui, il va me plaire. Ah, la musique, elle est finie. Il est où? C'est lui, là? Je pense qu'on va pouvoir le ken. Il va juste falloir qu'on attende un petit peu. Parce que les Mexicains, ils ont donné de rigueur. T'as paumé ton orchestre, t'en es où?
Yes, regarde, regarde. Non, lui, je vais pouvoir le niquer, je pense. Je pense que je peux le niquer si je fais ça. Ok, on est bon, on est bon, on est bon. Allez, s'il te plaît, traverse, s'il te plaît, traverse. Yes, un poumon au moins, un petit poumon. Yes, j'ai eu un mon pou. J'ai eu un mon pou, on est bon. Ouh! Mec. Oh mec, ce master shooter de ouf. Mec, le master shooter nucléaire, quoi. J'ai eu un poumon et la colonne vertébrale. Non, non, c'est pas connu, ça s'appelle Hooky with Sloan de Bird Creek. Donc à mon avis, c'est de la merde. Oh. Prends-moi. Regarde, je l'ai tellement buté, j'ai transformé en pute. Allez, c'est à moi tout ça. Putain, 1500 balles, mon gars. On a toujours pas les mots de Master Shooter, d'ailleurs. Hein. Ah bah... Ah, j'ai pas buté le bon. J'ai l'impression que j'ai pas buté le bon. Regarde, il y a encore un tag, et j'ai encore un tag sur le dessus. J'ai l'impression que j'ai pas buté le bon. Moi, peut-être qu'ils s'en foutent des femelles ou des mâles. Hein. Moi, on m'a toujours appris qu'il fallait juste buter les mâles et jamais les femelles, parce que niveau reproduction, après, ça foutait la merde. Mais ça se trouve, c'est pas vrai. Hein. Alors, il y a quoi là ? Est-ce qu'ils sont arrêtés là ? Ou est-ce qu'ils sont arrêtés plus loin ? J'ai l'impression qu'ils sont arrêtés beaucoup plus loin. Hein. Ils ont dû continuer dans des coins... Dans des coins abscons. Petit blues là. Yeah. This is for all the ladies. You get beat up. With the golf club. Bon, écoute, on va rusher un tout petit peu. Où est-ce qu'on en est là? Donde estamos? Ok, on est pas trop mal. Par contre, je pense qu'ils vont être spook dans ce coin là. Donc on va essayer de voir si on peut pas aller choper ceux-là là-bas. Far Cry 5, ouais, il était cool, Far Cry 5, je trouve, pour un reskin du 4. Il était plutôt cool, quoi. Oh, 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 oh. Nani kore. Is that a little deer? I think it is a little deer. I think I'm going to kill some motherfucking deer, and then after it, I'm going to eat his family. Oh, yes, 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 t'inquiète, 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 t'inquiète. Ouais, c'est chill comme track, parce qu'il faut du chill pour meurtrir des animaux. J'espère que c'est... Le problème, j'ai l'impression qu'ils sont que trois, je pense que c'est des sangliers. Ah, peut-être pas, j'ai peut-être du bol. J'ai peut-être du bol. Est-ce que j'ai de la chance? Oh putain, j'ai du bol. Oh putain, vite. Ah, ok, go. Il rentre bien là. Faut pas que je chope la shoulder blade. Yes. Et le coup? Ah, pas le coup, tant pis, c'est pas grave. J'ai eu un poumon, y'a plus qu'à le suivre et on est bon. Y'a plus qu'à le suivre et on est bon. Il va s'essouffler, il va mourir de toute façon. Il court par là-bas, t'inquiète. On va le ken. On va réussir à le ken. Faut juste pas trop qu'il court non plus, mais... Yes, c'est bon, il est mort. On va suivre la traînée de sang, regarde ce qu'il a perdu, mon gars, là. Ah, tu m'étonnes qu'il ait vidé vite, attends. c'est un... Ouh. Je crois que je peux essayer d'en niquer un comme ça au hasard. On sait jamais. Mec, on sait jamais. Est-ce que t'as vu qu'elle a traversé, mec? On est d'accord, la balle a traversé la... Great. Two more to go. Comment ça, two more to go? Ah, je pense que j'avais vraiment tué une femelle, en fait, tout à l'heure. Ça, c'est dommage. Parce que du coup, il faut que j'en bute encore deux, là. Ça va être chaud, parce que je vais limite faire peur à tous les cerfs de la région, quoi. Oh, c'est bon, ça. Crying in my beer. Oh, on l'avait passé la dernière fois, celui-là, crying in my beer. Attends, tu sais quoi? Je vais les randomiser. Yes. Ça va, c'est pas trop fort comme musique, d'ailleurs. Ça reste ambiance. J'ai pas envie que ça coupe trop non plus le bruit des bottes, le bruit des balles, de la souffrance. Il est sur Steam, Cabela, je l'ai sur Steam. Alors, je sais pas s'il y est encore, mais en tout cas, je l'ai sur Steam, ouais.
Là, je pense que ça va pas être un cerf, mais ça va être un ours peut-être, ou un sanglier. Parce que c'est une seule trace, et en général, à moins que ce soit ceux qui sont réfugiés là. Ouais, ouais, c'est bon, c'est les cerfs. Quoi, y'en a qui m'a vu? Ouh, ça m'a fait extrêmement peur. Ça mord? Oui, Nick. Ça mord plutôt pas mal pour l'instant. Merci beaucoup pour le sub, Nick. Ça fait super plaisir. Il faut vraiment que je change cette émote qui ne passe pas dans le message Moobot parce que c'est assez ridicule. The wind can change, and so can my country. God and guns, keep us strong. Donde están? Donde están los animales? Putain, mais ils sont tous planqués là. Ils se camouflent, ces cons de cerfs là. Forcément, c'est difficile aussi. De toute façon, depuis que Sandstorm est sorti, les autres FPS sont à chier. C'est vrai qu'il est quand même très très bien, Sandstorm. J'admets que j'aime beaucoup Insurgency. Sandstorm, il a aplani pas mal de trucs. En plus, je crois qu'il a bien réussi. Du coup, c'est plutôt une success story. B44 a fait un sacré taf. Tu crois qu'ils sont encore là? Oh merde, je crois qu'ils ont... Ils se sont barrés. Pas tous? Mais là, comme je me tiens debout comme un connard, ils vont certainement tous se barrer, quoi. C'est une femelle ou un mâle, ça? On va le buter, on verra bien sur place. On verra bien sur place. Très américain. Et allez, encore une qui passe au-dessus, et merde. Fais chier, ce fusil. C'est la photo fusil, ça, hein. Oh putain, Arner. Y'a Arner! Michel, y'a Arner! Putain, ton cul, tiens. Oh, t'as beaucoup de chance, mon gars. Ah la vache, dis donc, ouais. Bon, par contre, il me reste 3 balles et il me reste 2 cerfs à buter. Ça va être un peu compliqué. Success story, pas comme The Culling. Mais c'est très dommage, parce que moi, The Culling, j'aimais beaucoup l'idée. Et je crois que je l'ai acheté, genre, 2 jours avant que le deuxième sorte. Et que ça parte en couille et qu'ils décident de... Ah bah finalement, le deuxième, on va pas le faire, on va s'occuper du premier. Et puis finalement, ils en sont pas du tout occupés du premier, j'ai l'impression. Comme ils avaient dit qu'ils allaient faire. Mais ouais, c'est un peu dommage parce que j'aimais bien le principe, moi. Très grand placement. On parle pas de ça ici, Yadar. On a dit pas de politique. C'est une petite blague. J'ai fait une petite blague. Je sais pas si elle va passer, mais moi, je la trouve assez marrante. Non, c'est rapport au grand remplacement, ça me fait rire. Voilà. C'est touchy, on n'en parle pas, hein. c'est juste une blague, je lance pas le débat, c'est juste une blague, d'accord? Oh, lui, oh putain, il est bien lui. Il est un peu loin, fais chier, il est juste un peu loin. Mais je tente quand même. Parce que là, on peut pas revenir sur la bidoche, va falloir juste avoir du bol. Oh, Azatis Verissad. Parce que là, je lui ai rien touché, même pas une petite aorte. C'est dommage, comme le jambon. La. C'est pas ça, Aost? Si, c'est ça, Aost. Attends, je passe la chanson parce que du coup, il y a 5 minutes de pause dans Crying My Beer. I'm on crying my beer. Then I'm on the vomit. And I'm gonna fuck my wife. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Il y a pas de... Ah, les petites patounes. Les petites patounes, elles vont là-bas. Ah, il y a du sang là. Ouh, oui, il a perdu une sacrée traînée quand même. Avec un peu de chance, il va pouvoir mourir de ses blessures. Vous n'avez pas le monopole de la parole. Waouh. Le monologue du pononol. Tout en acier ponolé. Tu crois qu'il va mourir de ses blessures? Parce que j'ai rien tapé là, j'ai même pas tapé le cœur, j'ai même pas tapé un poumon, quoi. C'est... Oh putain, le coyote. T'as de la chance qu'on soit pas en free hunt, mon gars, parce que j'en aurais fait un civet. Ça se mange le coyote ou pas? Ça se mange le coyote, non? Je suis sûr que ça se mange. Après, tout se mange, hein, bien sûr. Comme disait Didier Barbelivien, tout se mange. Je
Pareil qu'il mangeait son caca, bon. Faut savoir que ce que je dis est extrêmement faux, hein. Bon alors, est-ce qu'il est... Il est où celui qui a déjà pissé, là? Il doit être en bas avec les autres, mais je pense qu'il va commencer à crever dans pas longtemps. Si on a un petit peu de chance, il va mourir tout seul et on pourra en buter un en même temps. Mais là, il va falloir beaucoup de chance. Il va falloir que je gère la fougère. Ouh. Ouh, boy. Ouh, boy, that's good shit, man. That's good shit, man. That's good shit, man. Ben, c'est plein de vitamines, mais c'est un goût de chiotte. De quoi, le caca? Yes! Yes! Ça, c'est bon, ça, mon gars. Les deux poumons d'un coup. Et limite, la balle, je peux la récupérer derrière. Voilà, claim the trophy. He fucking dead. Alors par contre, la prochaine balle, il faut pas que je la loupe. Oh! Non, y a qu'un seul trophée. Le deuxième trophée, je l'ai pas. C'était lui qui est en train de... C'est lui qui a pissé ou quoi? Putain, je crois que c'est lui qui pissait. Merde. Il me reste plus qu'une seule balle, les mecs, c'est la merde. Parce que là, le prochain shot, il faut vraiment que je le prenne et que je sois complètement sûr. Oh, fuck this shit, man. On va essayer de prendre cela. Hop, allez, let's go, c'est à 700 mètres, c'est pas trop loin. Il aura souffert, lui, tu lui avais pété une guibole. Oui, c'est vrai, je lui avais pété un bout de la jambe. Après, est-ce qu'il a pas un petit peu cherché en même temps, quoi? Tu sais, les cerfs, ils arrivent en masse, ils amènent leurs cousins et tout. Peu à peu, les cerfs, ils vont remplacer notre patrie, hein. Ils vont remplacer nos beaux petits renards. Ah oui, t'as que une balle, oui, bah c'est ça. Non, le coyote, mais c'était une ref à un vieux film que je suis le seul à avoir vu, apparemment. Apparemment, oui. C'est quel film, ça, Max Milden? Où des gens mangent un coyote? Stay alert for shifting winds, you're gonna stink up the place. C'est quoi ça là-bas? Donde est-ce que c'est? Va falloir que je change de souris parce que là y a clairement un problème, quoi. Looks like you've run out of ammo. You need to be more careful with your shots in the future or equip some extra rounds. J'avais pas oublié, mais j'ai juste cliqué sans faire exprès. J'ai cliqué littéralement sans faire exprès. Bon, j'ai quand même gagné 2900 balles. Quelque part, j'ai quand même gagné 2900 balles. Mais bon, fait chier quand même, quoi. Ok, allez, on recommence. Cette fois-ci, je vais latter directement un mâle. Deux fois que tu le fais. Mais ça m'arrive souvent, mec, hein. Même quand je suis en train de jouer seul tout, ça m'arrive, hein. Lui, il est bon, lui. Lui, il va être délicieux, lui. Malin comme ma pète. C'est comme ça qu'il y a des accidents de chasse. Mais voilà, en fait, les mecs, ils cherchent pas forcément à faire du mal aux cyclistes. Pas forcément, je dis. Mais des fois, ça arrive. Bon, bah, tu cliques. Bon, bah, des fois, tu cliques, tu fais pas gaffe. Bim. Normalement, on est bon, là. Salut, Nate, ça va, mec? T'as quoi comme souris, là? Attends. Bim, déjà, je lui fais un double lung et je te réponds. Voilà. Double lung shot. Double lung shot. I bet he got fucked. Et lui, je le tape juste pour le délire. On sait jamais. J'ai une Logitech G203 Prodigy Gaming Mouse. Oh. Je lui ai arraché l'œil, c'est dégueulasse. Ok. Bon, déjà, lui... Pourquoi il bouge plus, lui? Oh, mec double. Alors, à moins que ce soit lui qui est mort... Non, je crois que c'est lui qui est mort. Ouais, c'est lui qui est mort. Merde. Je croyais que je lui avais tiré dans la tête, du coup il avait halluciné, mais ouais, non. Putain, il est allé loin pour un double long shot, mine de rien. Ah oui, c'est parce que l'autre j'avais déjà affaibli déjà, ouais, d'accord. L'autre il avait quasiment déjà plus de sang, c'était limite trop facile. Hop, 1 sur 3. Yeah, two more trophies, you gonna fuck some shit up. Et là-bas, du coup, il y a des wild boars, je sais pas pourquoi ils sont marqués sur ma map, mais c'est pas grave. On va aller là-bas, tiens. Sexy smoking style. Mais oui, il y a des fois, juste, en fait, j'ai le doigt un peu lourd sur la souris. Non! Non, c'est pas de la merde du tout. Et elle est bien, la G203, j'aime beaucoup cette souris, hein. Mais des fois, elle est tellement sensible que j'ai le doigt un peu lourd dessus, parce que, étant donné que je suis pas quelqu'un de très... Je suis quelqu'un de physique, que moi, il me faut les trucs... Et des fois, ouais, j'appuie un petit peu fort, et en bougeant la souris, ça fait clic. Et ça m'arrive de temps en temps, hein.
Mais c'est pas à cause de la souris, bien au-delà. En plus, je l'ai quasiment pas pété celle-là. Je lui ai jamais mis de pain, je crois. Donc, ça va, hein. Mais en pleine forme, il est quand même allé loin sans poumon. Non, c'est pas qu'il avait pas de poumon, c'est qu'il avait deux trous dedans. Avec ton attel, là, quand t'avais des crampes, tu tirais mieux. Ah non, avec ma tendinite, là. Putain, ça, c'était chiant, ça. Ça, la tendinite, c'était pas fun à avoir, hein, j'avoue. Oh, oh, oh. La Nicolet. Oh. Mieux ce qu'il touche. Attends, bouge up. Il est où, le mal? Il est où, chef de la maison, là? On peut me dire qu'il y a un cerf tout seul dans la forêt, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai l'impression qu'il y a un cerf. Et c'est une femelle, en plus. Elle est en train de paniquer, en plus. Est-ce que je peux la taguer, quand même? Voilà. Je la tague, on sait jamais. Je vais monter dans l'affût. Elle m'a vu? She see me? Oh, fuck. Fuck is that? Ah, elle est là. Doucement. Doucely. Pourquoi il y a un truc rouge là-bas, on s'en fout. Voilà. Une fois, j'étais tellement vénère, j'ai pété ma souris avec un coup de tête. Eh bé. Moi, j'ai pété une manette de PS3 en la bouffant. C'était, je crois, sur Saints Row 2. j'ai pris la manette et j'ai croqué la poignée droite de la manette et du coup elle était inutilisable parce que ça avait niqué je pense le circuit, mais ouais, j'ai croqué ma manette, ouais. Mais c'était une manette légère, il y avait pas de comment on dit la vibration dedans, du coup ça allait, je me suis pas niqué les dents sur les moteurs, mais ouais, j'ai kékro ma manette, ouais. Elle avait quand même vachement cherché. On va aller là-bas plutôt parce que là elle est toute seule. Ça me plaît qu'à moitié. On va aller niquer ça là-bas. Mais ouais, j'en ai pété des trucs, hein, des claviers. C'est pour ça que j'ai une souris même pas ouverte dans mon bureau et j'ai trois claviers. Parce que j'ai des accès de colère et c'est vrai que je casse des trucs très très vite. Mon bureau, heureusement que c'est un bureau un peu solide parce que dedans il y a des coups de couteau, j'ai mis des coups de ceinture. J'ai pété un tiroir à coups de pied et une autre fois un autre tiroir à un autre coup de pied quand Spider et Skull étaient chez moi. Ça a mis une bonne ambiance. j'ai fait quoi? Ouais, des coups de couteau, ouais. Ça m'arrive. Ouais, des coups de tête, pareil. Enfin, laisse tomber. Mais je préfère taper sur ce vieux bureau là que sur les murs, par exemple, tu vois. Il y a des coups de couteau dans ma porte. Mais tu les as fait, Momo, ou c'est juste super dangereux chez toi? Oh. Qu'est-ce que vous avez pété par exemple, ouais, sur le chat? Je vous écoute. Allez, que tout le monde participe là. Je veux connaître les personal stories de tout le monde là. Story time. Non, j'habite à Détroit. Par contre, là c'est la demeure. Il va falloir que je m'approche, mais le problème c'est qu'on est sur un dévers. Et plus je m'approche. Ok, il s'approche vers moi. Alors ici, les cerfs viennent à l'abattoir d'eux-mêmes. C'est lui que j'avais ou quoi? C'est une femelle, ça. C'est un mâle là-bas. C'est un beau mâle, ça. Un beau mâle là. Ok. Ouf. J'ai balancé une manette de Xbox 360 sur un mur. J'ai niqué une DS de rage sur un pauvre jeu. Une DS? Carrément, une console, une Nintendo DS, t'as pété? C'est vénère, ça. Il est où? Faut vite que je le bute avant que elle me chope. Mon gars, c'est quoi ce guet-apens, mon gars? Je suis en train d'attendre la diligence, t'es... Ok. Go. Faut juste pas que je nique. Ou que je passe à travers le... Yes. Yes! Les deux. J'ai eu le deuxième ou quoi? Je crois que j'ai eu le deuxième. Ouais, non, c'est un peu long shot, c'est pas grave. Ça me suffit. Il va pas courir longtemps, regarde. Il va faire. Mais c'est la merde quand même. Bip. Et on va le Kenny juste après, vous inquiétez pas. Voilà. Claim the trophy. Il est parti par où?
Donde está el Bloodio? Voilà. La... El Grande Smokio. Voilà. Elle est plus qu'une et on est bon. J'aurais bien dit le cul de ta sœur, mais c'est moyen. En vrai, un clavier et un robinet de baignoire. Ok, la violence du propos. Et ma sœur a un cul très très fragile, j'entends. Donc déjà, tu vas la laisser tranquille. Elle est pas là pour ça. Ok, on va choper ça et normalement ça devrait être bon. Est-ce que j'ai mon masque de senteur fraîcheur verte là? Comment on fait? V, H, J, R, F, D, X, V, non, A, T, Y, H, U, non c'est pas U, I, O, P. Ah, ça c'est la carte. Bien. C'est les jumelles. Me parlez surtout pas de jumelles après New Dawn. Hein. Bah merde, c'est quoi la touche pour le truc? Attends. Il me faut ça parce que sinon ça va être galère. Ah oui, X. Apparemment, je n'ai pas à le mettre. Nani Kore? Tant pis. Tant pis. J'ai cassé les côtes d'un cochon vivant. D'accord. Normal. Monsieur joue en QWERTY. Non, c'est parce que le jeu il a pas été localisé, c'est tout, t'inquiète. Je joue en AZERTY, je suis pas un dieu d'un. J'ai mis des coups d'épée dans la porte. Ah, c'est pas mal ça. Ça, j'aime beaucoup. Il y a un côté médiéval dans l'approche et c'est à ça qu'on reconnaît les bons artisans. Belle démarche. Momo. Je vais toxir, il a dit. Il a mis des coups d'épée de templier sur sa porte. Bon bah là il y a que dalle. Ça c'est vide hein, ça c'est vide, c'est vide. On va aller voir dans les autres points d'eau s'il y a quelque chose. Et ce truc dont je me souviens péter, c'est les lattes de mon lit. Oula. Ça fait un dropkick. J'ai cassé la tête d'un chaton qui s'est... Ah ! J'ai cassé la tête d'un chaton qui s'était réfugié dans l'embrayage de ma bagnole. Oh, ça c'est... Ouf! C'est dégueulasse, ça! J'ai mis un coup de masse dans la table de jardin, mais c'était pas à cause d'un jeu vidéo. Vous avez beaucoup d'excuses, je trouve. La porte voulait reprendre Jérusalem. Je t'oxyrais. Sarrazine. Mais non, sa voisine, je dis. Ah, bon, bah c'est bon, alors. J'étais pas au courant qu'il était là, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Hein? On était pas au courant, je trouve ça un peu facile. Ouh, c'est quoi? Ah, c'est un sanglier. J'ai paniqué, je crois que c'était un genre de petit tank. Enfin, remarque, oui, c'est ça. Hein. Est-ce qu'ils sont en train de bouffer? Ils sont en train de bouffer, le problème, c'est qu'il y a de la pression. Du coup, on va aller plutôt de là-bas. Salut, Area Gaming. Ah, Area. Comment on prononce Aira, ça va? C'est dur en anglais, mais en français, ça va. Aira. Comme le groupe, quoi. Dorime. Hyperlati emulari dorime. Ouais, t'es sur un stream de chanteur. Ça parle des crasses qu'on a fait aux animaux. Juste Aira, oui. Ouais, c'est ça. Non, pas aux animaux. On est en train de parler des trucs qu'on a pété tout court, mais ça a dévié vers les animaux parce que tout le public que tu vois sur le chat, c'est uniquement composé de gens possédés. Donc, oui. Mais moi, oui, évidemment, il y a un moment où j'ai pété un mur à cause de Sniper Ghost Warrior 2, et un moment où j'ai pété... Non, Sniper Ghost Warrior 1, d'ailleurs. Et un moment où j'ai pété mon mur à cause de Hotline Miami 2. Et surtout, le Hotline Miami 2, je suis vraiment vénère parce que je suis allé dans ma cuisine, en fait, pour me prendre un coup d'eau, parce que, voilà, il fallait que je boive, j'étais beaucoup trop vénère. Et j'ai juste appuyé un peu trop fort avec la paume de ma main. Et le problème, c'est que, étant plus ou moins un gaillard... ça a fait un gros trou dans mon mur. Mais c'est, franchement, c'était pas le but, quoi. J'ai cassé un hamster quand j'étais gamin. Oh, putain. Évidemment, gros problème de connexion OBS parce qu'on peut pas avoir de chance dans la vie. Non. On va lancer ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Tant pis. Et apparemment, il veut pas se relancer. Ça, c'est sympa. Il y a un petit côté nature que j'aime beaucoup. Non, tu veux vraiment pas trop lancer, en fait, le stream. Ah, impossible d'accéder à la chaîne ou la clé de stream, c'est super.
Mais tu vas quand même me lancer mon stream, s'il te plaît. Ah, voilà. Normalement, c'est bon. En espérant que tout se passe bien, ça va être ridicule du coup sur YouTube, mais c'est pas grave. Attends. Que se passe-t-il? C'est bon? On est là et on a le transco, ok. Est-ce que je suis de retour? C'est bon? Je suis désolé pour cette petite déconnexion, ça arrive comme toujours à cause de mon super abonnement internet. Par contre, ça va pas, évidemment. Ta gueule, oh là 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 là. Il y a tout qui part en couille. Comment ça se fait que je peux pas rafficher? Ah si, c'est bon. Chat, voilà. Non? Je peux pas actualiser. Il va falloir que j'ouvre une fenêtre de chat, c'est cool. Je t'ai envoyé une photo de ma porte si tu veux, Richard. C'est bon, le stream est revenu là, on est bon là. On est d'accord. Oh, ta gueule. Voilà. On est revenu, y a pas de problème. Tac, je vais juste prendre cette fenêtre là. Excusez-moi, hein, je suis en train du coup de remettre un petit peu de l'ordre dans mon stream. Voilà, ok. Ouh, ok. Bon, bref, on en était où? Les animaux qu'on a butés, non. Les trucs qu'on a pétés. J'ai pas pété de manette ni tué d'animaux, franchement, comment vous allez vous faire foutre avec vos... Mais tu ranges pas tes CD. Ouais, mais c'est vrai, tu ranges pas tes CD par contre, quoi. Ils traînent par terre, c'est dégueulasse. Et tu mets en plus les mêmes CD. Tu mets des CD dans les boîtes des jeux qui correspondent pas, et ça, mon gars. Déjà, Benjamin, quand il venait à ma maison, quand j'étais petit, il faisait ça avec mes CD. Une fois, j'ai retrouvé mon CD de Dragosta Nintei dans GTA San Andreas. Mec, j'ai pété un plomb, quoi. Le mec, il y avait pas la boîte à côté, et puis j'avais la flemme de prendre. Bah écoute, t'avais la flemme, va niquer ta race. Du coup, j'ai plus jamais croisé cet enculé là. Et mec, ce gars là, Benjamin, il avait un truc de ouf. Il avait un problème avec ses chicots. Et pour pas qu'il pousse avec sa langue sur ses dents, le dentiste lui avait installé des genres de pieux, des pics derrière les dents pour pas qu'il mette sa langue. Du coup, il était littéralement en souffrance constante. C'était complètement ouf, mec. C'était complètement barge. Mais c'était un truc à la Constantine, je te promets. Bon, il va falloir qu'on retourne 400 mètres là-bas parce que c'est la grosse de mer et qu'il n'y a pas de putain de cerf dans cette région à la con. Je crois que j'ai tout buté. Par contre, j'ai dû péter la moitié des lattes d'un de mes lits parce qu'avec un pote, on s'amusait à faire des batistabombes avec une de mes peluches. Ouais, c'est ça, Wapfal. Ouais, tu faisais des grosses batistabombes avec ton pote, c'est ça? Tu faisais des Fisherman Carry à ton pote? Hein? Hein, Wap? Ouais. C'est ça, ouais. Ah, je vais te faire une batistabombe, mais après, je vais te sucer. Ah. Eh, ça vous est jamais arrivé? Genre pour déconner, vous sucez un pote? J'ai pété des lattes avec mon pote, mais on faisait des powerbombs. Une fois, il m'a tenu en clinch pendant au moins 15 minutes. Aïkoum des pipis. Bisous, Bana. Désolé pour tout ce qui s'est passé. Clara, je l'ai démonté en CM2, ça va faire des trucs avec sa bouche. Ah, raconte-nous en plus, Wapfal, espèce de gros dégueulasse. Je sais que tu déconnes. Si, bien sûr, le soir, pour s'en ennuyer, on s'entre-masturbait chez moi. C'est dégueulasse. Comme dans Police. Vous vous souvenez de ce film Police? Oh non, merde, ma seule chance. Je sais pas. Il m'a fait une Boston Crab pendant 20 minutes. Oh, un peu au-dessus, mais franchement presque. J'ai fait fuir tous les animaux du coin, quoi. Bon, allez, il va falloir qu'on teste autre part, hein, mais je suis en train de galérer, là. Je leur ai fait peur un peu à tous, en fait. Du coup, ça pose un peu un problème pour les retrouver. On va essayer là-bas, là. C'est un peu loin, mais on va essayer là-bas. Hunting pressure... 0% limite, on pourrait essayer là, mais... Il m'a fait une German suplex, mais il est juste resté derrière. Avec mon pote, on faisait plein de catch. Dans la boue. Il y en a là. Je crois qu'ils sont allés à leur bedding area, en fait. Je pense qu'il y a moyen, mec, de trouver un affût, et on va les schlasse.
Je tiens juste à dire que Luke c'est une merde à Sandstorm, bisous. Alors ça c'est méchant par contre. Hein. Parce que Poléon je veux pas dire mais t'es pas non plus très très bon. Hein. À part sprinter en tous les sens et essayer de caser des headshots, tu fais pas grand chose. Hein. J'étais obligé de t'engueuler sur Sandstorm pour que t'arrêtes de sprinter comme un con. Dis donc. Il allait tout seul, il fonçait, il fonçait. Est-ce qu'ils sont barrés? Je crois qu'ils sont barrés. Je crois que j'ai vraiment pas de bol. J'avais un pote qui faisait des tombstones avec son petit frère, le frangin avait 7 ans. Il s'était pissé dessus. J'ai jamais eu autant honte pour lui. Et explosé, oh la vache. Mec, quand il y a des gens qui se pissaient dessus en classe, comment c'était ouf. Genre la réalité, elle shiftait quoi. Tu changeais entièrement de paysage quand quelqu'un se pissait dessus. Il y avait un mix, si tu veux, de tout le monde entre la peine, l'hilarité, la moquerie, c'était ouf. Ça détruit les existences. Ah bah oui. Ah bah ça, Rémi Pipi. T'en ressors pas de Rémi Pipi. Hein. Momo, j'ai prélu ta phrase et ça me fait rire. Ouh, ouh, ouh. En quatrième, il y a un gars qui s'est chié dessus dans mon collège. En cours de suite. Oh merde. Attends, celle-là, Momo, elle est pour toi. Elle est pour toi et pour le chiage en public. Putain, j'aimerais bien lui caser un headshot, mais c'est super dur. Est-ce que je tente un headshot et est-ce que je tente le double lung? Double lung, ça assure le kill, mais headshot, c'est classe. Qu'est-ce que je fais, les gars? Parce que headshot, c'est super dur à faire. Hein. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. HS, ouais, mais c'est dur, mec, c'est super dur. Oh, il fait des blip blip. Bon, je tente. Je tente le headshot. Oh là, attends, y a ma visée qui part en couille là. Elles sont où les femelles? Là, ah, ok. Attends, qu'est-ce qui se passe avec ma visée là? Pourquoi ma balle elle devient soudainement anti-gravité là? Ok, normalement c'est bon là. Normalement c'est bon là. Évidemment. Oh putain, je suis à côté! Alors je sais pas, je crois que je lui ai visé les couilles, mais là c'est galère là. Ouh, et merde putain, deux loupés quoi. Je lui ai mis bien dans le cul hein, mais ça marche pas. Bon, va falloir le retrouver l'autre qui pisse du visage là. Bon, on va le suivre au centre de toute façon hein. C'est passé par où? C'est par là ça, ok. Ok, on va le suivre. Plus que 4 balles, t'inquiète, c'est large, 4 balles, c'est bon là. J'ai plus qu'à en buter une, enfin un, et on est tranquille, t'inquiète pas, 4 balles, c'est largement suffisant. Il a bien signé du visage, mais ça va pas suffire ça. Va falloir aller le vider autrement. Par la bite. Bienvenue à Radio Sex. Ah, les pénis. Je me fais rire tout seul, écoute, ça fait déjà quelqu'un qui rigole, je trouve ça pas mal. Ok, chut. À mon avis, ils sont passés derrière la crête, juste derrière. Ah, mais on est tranquille. Ça devrait se passer tranquille. Haha, le S-E-X-E. En parlant de ridicule, j'ai réussi à me casser le bras. Ouh, merci Momo, les bons cadeaux. Oh, c'est adorable ça. Par contre, ça a marqué Anonymous, mais ouais, c'est bien marqué Momo les bons cadeaux sur le truc. Bon, bah merci Momo. Alors, je me suis cassé le bras en me cassant la gueule à vélo, mais j'avais encore les petits trous et j'étais à plat et arrêté. C'est de pire en pire. En fait, ta phrase est dégringole. Genre, elle monte, tu vois. Je me suis cassé le bras, bon, ok. Et ensuite, à vélo, bon, c'est de la merde. Avec les petits trous, bon, c'est encore plus la merde. Et à plat et arrêté, quoi. Oh, il est mort. Oh putain, tous les deux sont morts. Tous les deux sont morts, mais il faut que je les retrouve, quoi. Ah. À mon avis, ils sont morts là-bas, près de leur meute. Enfin, de leur hard. Hardcore. Keep it hardcore. Ils devraient être dans le coin. Normalement, ils sont dans le coin, là. J'ai deux trophées à choper, ce serait bien, là, que je puisse les... Que je puisse choper les deux, même si il y en a un, je lui ai mis une balle dans la tête, ça a pas vraiment suffi et il est mort en souffrant.
ça ferait quand même bien sur la cheminée, quoi, tu vois ce que je veux dire? Putain, ils sont morts où, c'est con? Ils sont morts à des milliers d'années-lumière, qu'est-ce que c'est que ces délires là? Il a déménagé ou quoi? Il est mort à Carpentras? Mais oh, attends, mais ça, il s'arrête où le sang là? C'est où ce délire? Dans des styles Bloodio. The fuck? Fuck is that? Ah, il y a une trace ici aussi. Peut-être celle-là du coup, hein. Putain, s'ils sont morts dans les fourrés en plus, je vais rien voir. C'est où? Putain, il y a un lapin. Beaucoup de chance, toi, beaucoup de chance. Il meurt dans les fourrés ou quoi, tu crois? Non, il est pas mort dans les fourrés. Le Blood Trail continue jusque là-bas. Oh la vache. Putain, mais il allait super loin avec sa balle dans la tête, autre abruti, là. Est-ce qu'ils sont en train de me faire des fausses pistes à suivre? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends, je commence à me paumer, là. Il est où le sang, là-bas? Là-bas, ça continue par là. Putain, mais il allait mourir où, ce con? Il allait mourir au Mexique ou quoi? Mais il est extrêmement loin. Oh putain, il me reste 3 heures en plus. Ah, faut vite que je le chope parce que sinon ça va chier là. C'est lui ça? Oh putain, je crois que c'est lui. Mec, je crois que c'est lui. Yes, moins 75, c'est pas grave. Yes. C'est bon, j'ai fini. Ah bah voilà. Impeccable. Salut Whisky, c'est à mon Kiki. Tu passes une bonne soirée, mon Kiki. T'es chez toi ou quoi? Je me suis pété le poignet avec un marteau pour sécher le PS. Oh la vache! C'est l'équivalent des mecs qui passent juste la jambe dans les tranchées, tu sais, pour prendre une balle et être rapatrié. Donc ça, c'est cool. J'ai 11 000 balles. À mon avis, je peux peut-être me choper un petit gun sympatoche. Ah non, je pense qu'il faut que je prenne l'arc. Pour les prochains trucs, il va falloir que je prenne l'arc. Allez, je prends l'arc. On va prendre les trucs. Tiens, regarde, bim. Alors, on va faire un petit peu de chasse à l'arc, ça vous dit? J'ai pas trop le choix. Ça, du coup... Ok. Et ben, on va garder ça, c'est pas mal. Nos scopes, pourquoi pas. Et du coup, il faut buter 2 cerfs avec un arc. Allez, je suis chaud. Ça fait les cartons, d'accord. Et ben, écoute, bon courage, mon petit Kiki. It's a great tradition. We took that from the natives just like we took the country. An arrow flies pretty slowly compared to a bullet. Fast moving targets must be. OK, bon bref, où est-ce qu'on est au niveau des needs? Là, bah, on va essayer de choper pendant qu'il y en a un qui boit. Go ahead and try to hit those targets. J'ai maquillé mon kidnapping pour pas avoir zéro au bac. Ok. J'imagine qu'il va y avoir personne ici. Encore une fois, je crois que j'ai vraiment effrayé tous les cerfs de la région, quoi. Il est là le problème. Est-ce qu'ils ont gardé... Non, ils gardent pas le hunting pressure, donc c'est pas trop mal, mais... C'est à partir de quel moment ils vont dormir, là? Attends. Ça, c'est le bedding area. Mais ils vont bouffer à partir de quelle heure? Putain, mais ça fout rien entre midi et deux. Hein. Un putain de cerf, en fait. Non, mais si, normalement, ils devraient être dans le coin, mais... Ça fout rien entre midi et deux, un cerf, ça me tue. Pourquoi la pensée me tue, quoi? Ok. Ok. Voyons voir. À l'arc, c'est un peu spécial, la chasse, mais c'est pas mal aussi, mine de rien. Et on voit la flèche qui s'enfonce assez loin. Il y a un petit côté masochiste lent qui me plaît. Moi, je peux... Quoi? Ouais, c'est pas grave, ta gueule. Je suis toujours pote avec le mec qui m'a ouvert le front. Et celui qui t'a ouvert le cul, tu le vois de temps en temps aussi ou quoi? Je sais pas si j'en avais parlé ici, moi, de Paul-Émile. Paul-Émile qui s'amusait à balancer les ardoises aux filles sur le côté coupant et qui s'amusait à leur foutre des coups d'ardoises. Parce qu'évidemment, comme ça en Bretagne, il y a que des carrières d'ardoises. Et notre école... était entièrement sur une carrière d'ardoise et du coup il y avait des ardoises partout par terre tout le temps.
Et ce con Paul Emile, qui était un abruti et que sa mère considérait comme un surdoué et qui avait une sœur qui montrait sa chatte à la cafétéria. Et ça je vous dis ça, j'étais en CE2, hein. Enfin en CE1 parce que j'ai pas fait de CE2. Et bah écoute, le Paul Emile, il prenait des bouts d'ardoise, tu vois, qu'il taillait en les frottant contre les pierres qu'il y avait dehors, les parpaings, etc. Et il les lançait comme quand t'essayais de faire des ricochets en fait. Et il les lançait dans les jambes des gens. Les mecs qui avaient des shorts, les filles qui avaient des jupes, etc. pour les faire saigner. Et des fois, il courait à côté et puis il faisait des petits coups il était vraiment complètement fou. Et je crois littéralement qu'il est mort. Je sais qu'il y en a un qui est mort récemment, un gars que je connaissais du CM1 qui s'est éclaté en moto, je crois. Mais Paul Emile, je crois qu'il est littéralement mort d'un truc parce que vite fait, j'ai entendu des rumeurs de là et de ça, tu vois. Mais oui, je crois qu'il est mort, ouais. Il a fait une Far Cry primale, ce bâtard de Paul Emile. Déjà, quand tu t'appelles Paul Emile, je pense qu'il faut vivre avec. Et que c'est particulièrement à cause de ça qu'il commençait à faire mal aux gens, tu vois ce que je veux dire. Et s'il est pas mort, il est alcoolique. Ah bah ça, déjà, c'est de base, hein. Mais putain, oh là, toute la famille était conne. J'avais piqué un Power Ranger vert. En vrai, j'avais piqué un jouet Power Ranger vert. Après, il était con, alors du coup, je regrette pas. Mais toute la famille était con, c'était dingue. Le père, il était con. La mère, elle était conne. Tout le monde était con. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Bah, du coup, j'ai tiré un peu vite. Eh bah, oui, mais c'est con. Ah, oui, mais il perd pas, c'est vrai, il perd pas. Ça, c'est bon, ça, par contre. Le bon goût Power Ranger, c'est bon bail. Bon bail. Allez, go, 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 go. Yes. Pas dans le vent, pas dans le vent, pas dans le vent. Not in the bidou, not in the bidou. Ouh, double lung, double lung. Oh, bah oui, tu vas la traverser combien de fois, par contre. Ok. Est-ce que tu penses que je peux les niquer? Non, non, non. Il va courir quand même, il va courir quand même un petit peu. Il court quand même un peu. Tu cours? Tu cours? Eh, tu cours plus. Eh, bah merde. Oh là là, ouh là là. Tu cours plus? Tu cours plus? Tu cours encore, ce con. Et où? Ah, c'est bon. Putain, hein. La vache. Ok, il est là-bas. Moi, un mec qui m'a volé un t-shirt pour au final me mentir. M de l'aile. Moi, j'ai un mec qui m'a piqué une guitare. C'était de la merde, hein. C'est une guitare de merde. Mais c'était une imitation Les Paul que j'aimais énormément. Les Paul sont mes guitares préférées avec les Explorers. Et cet enculé là, il m'a jamais rendu ma putain de guitare. On voulait faire un groupe de musique avec cet abruti, mais il écoutait que du Avenged Sevenfold, du coup je me suis cassé. Mais ouais, il m'a piqué une guitare. Donc voilà, bon, j'ai quand même une guitare à côté, donc je suis pas allé la récupérer. Et puis de toute façon, tu vois, ce mec, tu vois, si je lui parle pas, ça me pose pas de problème, tu vois. Mais ouais, il me manque quand même une guitare, tu vois. C'est-à-dire, je pourrais avoir 3 guitares au lieu de 2. C'est quand même con, tu vois, c'est stylé. Ouais, j'ai 3 guitares. Des guitares de merde, mais bon, t'as 3 guitares quand même. Et Les Paul sont mes guitares préférées, c'est every guitarist ever. Mais pas du tout. N'importe quoi, t'as tous les PD de hipsters avec leur Stratocaster qui dit « Ah mais non, la Les Paul c'est un peu trop lourd, ça me fait mal sur l'épaule. Je peux pas aller assez haut que comme avec ma Randy Rose parce que j'aimerais bien faire plein de notes genre bouli boum boum. » Non, il y a plein de gens qui aiment pas les Les Paul, hein. Alors attends, va falloir que je me bouge un petit peu. J'aime pas la Les Paul, c'est un peu trop lourd. Aïe aïe aïe, mon épaule de musicien a mal. J'ai dit guitariste, bah oui, et alors. Oh putain. Oh. Est-ce que t'as vu le lapin, il a flippé. Le lapin il a fait ouh putain. Et je l'ai niqué ou pas? Non, je l'ai pas niqué, bon tant pis. Je vais garder mes flèches quand même parce que j'ai pas confiance. Faut qu'on nique encore un surf et on est bon. On est bon, c'est ça? Ouais, 1 sur 2, c'est bon. Y'a un mec que j'aimais pas qui me demandait de renvoyer la balle en CE2, je l'ai renvoyé dans ses couilles. J'ai fait un dégage. C'est bien marrant que tu dis ça parce que déjà ça fait extrêmement de bien pour le donneur. Moi pour le donner, bien entendu. Mais une fois, ouais, y'a un mec, Joss qui m'avait saoulé au collège. Et je lui avais fait un dégagement, mais vraiment le dégagement de rugby, quoi. Le vrai dégagement de rugby.
Et le tibia dans les couilles, quoi. C'est-à-dire que vraiment, non, mais le, enfin, au-dessus du pointu. Je vais pas faire un pointu, mais le tibia vraiment bas dans les couilles à pleine vitesse. Et ouais, il a été absent pendant un moment, quoi. Mais il m'avait vraiment saoulé, quoi. Il m'avait vraiment saoulé, je sais, hein. Mais ouais, c'était Falcon Kick, mais complètement, quoi. Falcon Kick. Puis c'était un trou du cul. Il était gentil, mais c'était un trou du cul. Du coup, ça va, je regarde pas trop. Ça pardonne pas, bah ça calme énormément. C'est vrai qu'il a été très très gentil pour le reste de, pour le reste de l'année, ce mec. Là il va y avoir personne non plus, j'imagine. Ils sont où ces cons là? Où est-ce qu'ils sont ces cons là? Va falloir que j'essaie les autres zones là en fait, hein. Allez, c'est pas, on y retourne. C'est long la chasse, mais que veux-tu? Ah non, ma connexion. Oh là là. Oh, je drop comme un gros bâtard. Je drop comme Kobe, comme on dit. Pourquoi ma connexion est chie comme ça? C'est insupportable. Genre un mec qui s'appelle Damien. Ah non, mais les Damiens, c'est des PD, mec. Les Damiens, c'est des connards. Demande à Scad. Les Damiens, c'est des gros bâtards. Laisse tomber. J'ai aucune confiance en les Damiens, quoi. Mais qui est tellement définitif pour ce qu'il dit, ça n'a aucun sens, quoi. I'm going to follow the little. C'est un mal ou pas? C'est un mal, ça. C'est un mal, ça. Merde. Faut que je les tague. Oh, fuck that ass. Fuck that sweet, sweet dear ass. Oh là 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 là. That is very not good. I have to find the deer. Ouh, ils sont là-bas. C'est lui, là. Yes. J'en ai tagué un, c'est bon. Je vais tirer un mouchard. Est-ce que tu penses que je peux sprinter derrière comme ça? Ouh. T'as rien vu. You haven't seen nothing. Damien, ça emmerde ça. T'as peu de choc. Il vous fait des jolis dessins. Après, il peut être un connard et faire des jolis dessins, ça je dis pas, hein. Oh là là, non, l'autre il est en train d'appeler ses potes là. Genre les cerfs ils font courou, courou. Là c'est Minas Tirith, attends, ils m'attendent. It starts. Est-ce que tu peux te barrer par contre? Tu peux te barrer? Sinon je te chlasse, hein. Je m'en fous, hein. Julien, c'est de la merde. Geoffrey, c'est de la merde. Ludovic, c'est bien de la merde. Nicolas, ça va. Nicolas, j'ai pas trop de problèmes avec. Petite histoire rigolote avant que j'aille me coucher. En primaire, il y a un gars qui s'est ouvert le visage et qui a dû se faire greffer la peau du cul sur son visage pour colmater. Après, on l'appelait peau de cul depuis... Depuis il nous parle plus. Mec, c'est tellement gratuit, mais en même temps ça ressemble tellement à l'école, quoi. C'est ce que je veux dire, c'est horrible, quoi. Peau de cul, quoi. Julien, c'est pas de la merde. Mais peau de cul, j'adore, par contre, ça c'est génial. Ah, et puis tous les vomitos et les... On avait un cacato aussi, disons. On avait vomito, et ce qui était marrant, c'est que Cacato était le cousin de Vomito. Ça, je vous dis ça, c'était au collège, hein. Mais ouais, Cacato était le cousin de Vomito. Et c'était... Ah, Vomito, c'était toi, Momo. Dommage. Ouais, ça, c'est dommage, ça. Ça, c'est très dommage. Bah, écoute, on peut pas gagner à chaque fois, hein. Moi, ça, mon surnom, c'était le Russe. Donc bon, je m'en sors pas trop mal. Mais Vomito, un peu plus dur. Un peu plus dur à porter, quoi. T'aurais pu demander Steven Seagal, quoi. Est-ce que... Putain, je crois qu'ils sont encore en mouvement, ces connards, en fait. Ces putains de cerfs sont encore en mouvement, ça me plaît qu'à moitié. Oh god, they are on the move. En plus, je sais pas si t'as vu, mais ils ont les tactiques où ils laissent des cerfs en arrière pour qu'ils fassent le guet, quoi. Je vais essayer de sprinter un petit peu et de les ken, parce que là, ça va être un peu long, sinon. Et il me reste plus que 3 heures pour ma chasse. Ma chasse. Fuck. C'est quoi là-bas? C'est rien. C'est une antilope. Ok, je pense qu'ils vont se caler quelque part. Je pense que si je les suis comme ça, ils vont se caler quelque part et on va pouvoir les ken facilement. Ok. Watch the wind, you fucking cunt. Ok, il faut surtout faire gaffe au vent là. Allez, viens, je t'emmène au vent.
Je t'emmène loin au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Où est-ce qu'ils sont, ces connards de cerfs? Ils vont dormir? Je crois qu'ils vont boire ou dormir ou manger ou les quatre en même temps. En tout cas, je vais en profiter pour leur foutre une petite cartouchette. Moi, j'étais tombé sur une classe de fils de pute. On avait maté un documentaire sur le syndrome de Down et un petit con m'avait appelé Down toute l'année. Je l'ai chopé et je l'ai pas lâché sous mon bras pendant 15 minutes à faire la brûlure indienne sur le crâne à ce fils de pute. Sur le crâne, c'est pas une brûlure indienne, c'est un shampoing. Donc déjà, peut-être qu'il avait pas tort d'une. Il y a un type qui s'était brûlé le dessus de la main avec un fer à repasser. Il a eu une greffe de peau mais des bourses cette fois. On lui a greffé les couilles. Du coup, il avait des poils de couilles qui lui poussaient sur le dessus de la main. C'est horrible. C'est horrible ce que tu racontes, mec. Ah, la vache, mec, j'ai des frissons. Oh, la vache. Au collège, j'avais un mec qu'on appelait Zami parce qu'il a une gueule d'écureuil et un autre qu'on appelait Soumi pour des raisons que j'ai pas besoin d'évoquer. Ah, ça, les Rémi, on avait plein aussi. Hein. Et Rémi, il y en avait un. Il y avait un Rémi, c'était marrant parce que c'était en... Bah du coup, attends, je devais avoir 12 ans. Donc c'était en 2004, 2005, quoi, tu vois. Et non, attends, 12... Oui, c'est ça, 12 ans. 2004, 2005, et il avait une coupe mulet encore et un parka tout coloré, un peu comme dans les années 90. Et il était tout le temps tout seul et il lisait des mangas. Et du coup, bah, on l'appelait Rémi et on lui lançait des cailloux. Mais ça, quelque part, c'est normal. Ça, quelque part, c'est normal de lancer les cailloux au mec tout seul, ça, tout le monde le fait. Romain Ranou qui s'était fait exploser la tronche par Maël vu que Romain s'était fait chourer sa copine par l'autre qu'on avait rien à foutre. Ah, ouais, ça, je peux pas dire. J'ai pas suivi toutes les saisons d'Hélène et les garçons. Hein. Moi, je suis resté au début quand il y a Thanos. Nous, c'était Gauthier, la victime. Eh ben, nous, on savait même pas son prénom, mec. Personne n'avait eu la présence d'esprit de lui demander son prénom. Du coup, on l'appelait juste Rémi, c'était plus simple. Alors attends, on en est où là? C'est quoi? C'est les femelles ça? Oh, c'est un mâle, ça, c'est un beau mâle ça. Tu crois que je peux le ken ou pas? Allez, je tente. On va perdre un peu en vélocité, mais... Spine? Spine shot? Ah, c'est pas un spine shot ça? Non, c'est pas un spine shot du tout. Ouais, mais ça va être long. À mon avis, ça va être trop long pour que ça le perce en fait. Ah bah merde, non, mais je suis devant même. Putain, en plus, il m'a gardé ma flèche, t'enculé. Bon, du coup, il va falloir trouver un autre coin. Hein. À moins que je le suive. On va essayer de le suivre. Non, nous, sinon, on avait Gaylor qu'on prenait plein la gueule. Et on avait une nana. Comment elle s'appelait, putain? Elle était à moitié rebeu, elle était à moitié métisse en plus, et elle s'amusait à se couper des bouts de la main en anglais. Parce que... en anglais, notre prof s'appelait Monsieur Fénis. Et je déconne vraiment pas. Il avait un nez, le même nez, en fait, que Carlo dans Bob l'Éponge. Et il s'appelait Monsieur Fénis. Et pendant les cours de Monsieur Fénis, on avait cette gonzesse qui se coupait des bouts de la main et qui saignait. Et ça la faisait extrêmement rire. Et Monsieur Fénis paniquait la plupart du temps. Et c'était très très flippant parce qu'elle saignait vraiment beaucoup. En plus, c'était vraiment des hémorragies, c'était pas des petits saignements. Elle saignait vraiment énormément, quoi. Et elle essuyait avec des pages de son bouquin et tout. Enfin, c'était vraiment Mad Max, le bordel. Et ouais, Monsieur Fénis, il paniquait parce qu'il avait peur qu'on dise que c'est lui, tu vois. Oh non! Ah, si, Clem le trophy, c'est bon! Go, tout droit. Oh, c'est bon, normalement on est bon là. Moi, c'était Laetitia qui s'habillait en fringues Barbie au collège. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Vraiment des fringues estampillées Barbie ou alors est-ce qu'elle s'habillait comme une Barbie? Alors attends, il faut que je trouve le trophée là. I have to find the trophée. Ah bah, il est juste là, parfait! Perso, j'ai des allergies de sauvage, j'avais l'équivalent d'une grippe et d'un rhume de mars à novembre, du coup j'étais Morveman. C'est pas mal, c'est comme nom de héros, c'est limite, mais c'est pas mal. Pierre m'avait cassé les couilles pendant toute une journée à m'appeler Christophe tête de caca. Mais c'est même pas intelligent, y'a même pas de rime.
Fin de journée, je l'ai pris par le col, je l'ai foutu au sol, je lui ai collé des pains, mon prof de maths a passé, je me suis arrêté, le prof a ri et a dit franchement tu l'as cherché et il était plus sage durant l'année. Les fringues de Marc Barbie, oh la vache, la Marc Barbie quoi. Je savais pas que ça existait non plus Nick, ouais, j'avoue. Eh bé, la pauvre. Bon allez, il faut que je prenne un gun du coup et une lunette x4, on va pouvoir continuer à buter des trucs. Là, ça va nous ramener en plus un peu d'XP. 3 8 point plus. Ah oui, c'est chiant ça. C'est chiant à faire ça. Il va me falloir un peu plus de points au niveau des sangliers. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va niquer des sangliers. Voilà, on va faire celui-là. On va prendre du partitioned. Parce que je crois que ça a plus de pénétration. Ouais, c'est ça, plus de pénétration. Du coup, on va prendre ça. Et puis on va y aller tranquillou. Hein, allez, c'est parti. Mais oui, il y avait un mec aussi dans ma classe avant, qui s'appelait Alexandre. Et Alexandre, il avait des problèmes au genou, c'est-à-dire que je crois qu'il avait pas de cartilage dans le genou, un truc un peu rigolo comme ça. Du coup, il pouvait jamais trop courir. Et donc personne se foutait trop de sa gueule, on était assez gentils avec Alexandre. Le problème, c'est que lui, cassait les couilles à un modèle géant, et en fait, c'était à l'époque où Kaamelott est sorti. Donc c'était en 2004, c'était pareil, j'avais 12-13 ans. Et il cassait les couilles avec... il répétait en boucle « C'est psychologique, c'est psychologique !» Tout ça tout le temps. À chaque fois que quelqu'un parlait, il disait « C'est psychologique !» Parce qu'il avait vu un épisode, il est en train de se marrer, si tu veux. Et Alexandre, comme ils nous avaient tous pété pendant le cours de... D'ailleurs, Monsieur Chapalin, j'en avais parlé de Monsieur Chapalin, qui était mort une fois, mais en fait, il était pas vraiment mort. Et du coup, comme il avait pas trop de genoux, on l'a attendu à la sortie du cours de Monsieur Chapalin, on lui a foutu une balayette, juste pour... À la base, on voulait juste le faire tomber, en fait, donc on lui a foutu une petite balayette, comme ça, il s'est pété la gueule instantanément, parce qu'il avait aucun sens de l'équilibre, si tu veux. Mais ce con de Johan, c'est le genre de mec avec la mèche sur le dessus de la tête, et qui fumait à 12 ans, si tu veux. Et Johan, ce con, lui a foutu un coup de pied, mais vraiment le pointu, dans la clavicule, dans la gorge. Il a fait tac comme ça, mais vraiment, il a un dégagement, quoi. Pouf, alors l'autre, il a toussé, il a vomi, il a pleuré, c'était une catastrophe. Et Johan, je crois... Johan, il s'appelait Johan. Et Johan, on l'a pas vu après. Donc je pense qu'il s'est fait virer. Mais c'était une catastrophe. Le mec qui s'était viré, tout le monde c'était ha 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 ha, Alexandre, il est tombé, ha ha ha. Le mec, il a fait un dégagement dans son cou. Pouf, tout le monde a fait, bah ouais, enfin, connard peut-être. Ah, c'était la bonne époque, quand on pétait dans les pompes. Bon, attends, il me faut un de plus de 450 livres. Du coup, je vais essayer de choper lui là-bas, c'est un peu loin. J'espère que je vais pas être en fin de vélocité. Tac, allez, on essaye. Au collège, on appelait un gitan bouche béton, parce qu'il s'amusait à faire les saltos arrière sur des bancs en béton, jusqu'au jour où on a calculé le trajectoire et il a bouffé le dossier en béton à Mach 3. Oh merde, j'ai pris une côte. Oh le con. Oh, fuck. Faut que je recommence. Faut que je quitte et que je revienne parce que là, ça va être nickel. Vitek s'était fait piquer son tel à la gym, il a gueulé, fermez tous vos gueules, il a appelé sur son tel avec son GSM, on entend une sonnerie dans le sac de Laurent. Mon gars, Laurent. Mon gars, il a mangé ses dents, surtout Vitek, c'est 1m90, champion de natation et de boxe, taille à 13 piges. Et putain, il avait du temps libre, le mec. C'était notre Hammerhead local bouche béton. C'est vrai que ça fait un petit côté Marvel, j'aime bien. Il y avait une meuf au lycée, elle était juste connue pour se foutre des doigts pendant les cours, et elle s'en vantait, c'était juste triste. Je sais pas, c'est pas mal, moi, c'est pas dégueu, quoi, tu vois, pas déconner, mais... Ok. Est-ce qu'on en a des lourds encore, là? Ça, c'est bon, ça. Il faut qu'il soit plus de 450 livres, il me semble. Mais il faut que ce soit forcément d'un stand. Fallait la niquer. Bon, il est au lycée, en plus, t'as de quoi faire, hein. Elle était chum et avec une gueule d'autiste. C'est pas ça qu'on te dit. On te demande pas si elle est belle, Spider, t'es con ou quoi? Ouais, enfin, il y a des grosses noires moches qui allaient vers tous les mecs et leur demandaient s'ils voulaient foutre des doigts. Ah, ok, t'étais d'où, l'oltruche, rappelle-moi? T'étais pas de Paris, toi? Ça expliquerait pas mal de trucs. Moi, le premier Renoir que j'ai vu de ma vie dans une école, j'en ai vu beaucoup, mais le premier, comme on était en Bretagne, le premier Renoir que j'ai vu à l'école de ma vie, c'était au début du lycée, quand même. Et j'en ai fait les écoles, je te dis. Hein. Ok, go. Allez, on essaye. C'était le vigile. Allez, on essaye, s'il te plaît. Pas le ventre. Ah, merde. J'ai pris la côte. Oh, putain, l'estomac a fait chier.
C'est pas bon ça. C'est pas bon du tout ça. Allez, on essaye. Au collège, il y a un gars qu'on appelait Mouton parce qu'il était frisé. On disait aussi qu'il avait pas de couilles, du coup. Du coup, dans les vestiaires, il a voulu nous montrer ses couilles, sauf qu'il l'a fait tellement vite qu'on n'a rien vu. Du coup, on l'appelait Néant après. Oh là 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 là, de quoi ? Mais nous, Johan, celui qui a mis un coup de pied dans la gorge d'Alexandre, il arrivait à s'auto-sucer dans les vestiaires, et c'était assez impressionnant. Le mec était vraiment d'une souplesse. C'était vraiment super impressionnant. On était pas genre « Waouh, il est trop fort !» C'était vraiment juste « Waouh !» Golf clap, tu sais, c'était vraiment super impressionnant. Dawson et Ryan, ils s'amusaient à allumer les alarmes d'incendie et de balancer des pétards bisons dans la vie scolaire et le bureau du CPE. Ok, les terroristes. En quatrième, on en avait un qui rougissait dès qu'on lui parlait, on l'appelait la tomate. Et il le prenait grave mal. Et un jour, un prof l'avait appelé comme ça, il avait craqué, il avait mis une grosse balayette, il s'est fait instant de virer, on l'a jamais revu. La tomate, le pauvre, la petite tomate. Non mais je dis rien parce que quand j'étais gamin c'était pareil. Quand on me parlait, moi fallait pas me parler quand j'étais gamin parce que sinon, même maintenant, moi faut pas me parler. Hein. Sinon je panique direct moi. Putain, 650 LBS c'est pas mal ça. Est-ce qu'il y a pas un stand dans le coin? Est-ce qu'il y a un stand plus loin près de eux? Il y a un stand juste là-bas mais c'est un peu loin du coup. Je crois. I think. Ouais, je crois que c'est un peu loin. Oh, fais chier. C'est con, tu vois celui-là, j'aimerais bien le niquer lui-là. 600 LBS, c'est bon ça. Il y a un stand juste là à côté de moi, ça veut dire qu'il est où? Pourquoi je le vois pas? Ah oui, Hunting Zone. C'est un blind ou pas? Ah oui, ça compte pour un blind, du coup je peux peut-être aller là-bas. Ok, je vais essayer d'aller là-bas. Ça va être extrêmement vénère comme infiltration, mon gars. Mais je pense que ça gère. Après moi, j'ai eu droit à un Abdoul qui avait failli étrangler une prof de SVT, elle serait morte si on n'avait pas arrêté. Waouh, ok. Il y a Amine, un rebeu qui venait souvent se faire chercher par les flics. Un jour, pour faire une blague, il a mis un turban. Il a balancé son sac dans le bureau de la CPE en criant « Allahu Akbar ». Et en fermant la porte, on n'a jamais autant rigolé de nos vies. Quel enculé, quoi. Ça se fait hap, ça. Moi, mes potes m'appellent Choupi parce que je fais 1m96, des épaules de caméléon, mais j'ai une gueule qui a pas bougé depuis mes 9 ans. Choupi, quoi. Choupi. Ça se fait pas non plus. Ok. Est-ce que du coup il y a un stand? Ouais, il y a un stand juste là. Oh putain, c'est peut-être notre ticket de sortie, les potos. Les gars, légalisation. Parce qu'en fait, le problème, c'est que... faut pas qu'ils me voient. Et aussi, il faut que je reste sous le vent. Si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause à répit après les dangers. Il faut que j'arrive jusque dans le putain de stand. Le problème, c'est que je vais être sous le vent et ils vont ken, putain, fuck. Avec un peu de bol. Avec un peu de bol, ils sont cons. Avec un peu de bol, c'est des gros abrutis et je vais pouvoir rentrer dans le stand avant qu'ils me chopent. Mais ça va être vraiment tendax du... Attends. Je vais passer ça parce que... Voilà. Ok. Un pote à moi qui était épileptique, qui avait fait une crise en espagnol, et la prof avait voulu bien faire et lui tenir la langue pour pas qu'il s'étouffe. Forcément, la conne, elle se met à hurler, mon pote avait failli lui arracher un doigt, elle pissait le sang, sa grosse race. Désolé, je lis mal, c'est parce que je suis en train de regarder l'écran en même temps pour être sûr que les sangliers me niquent pas, en fait. Ok, point of interest. On va voir. Il est gros, lui, ou quoi? 600 LBS, ouais, c'est bon, ça. La bonne viande, ça. Oh, la bonne bidoche. Allez, please. Putain, il bouge un peu. Allez, j'essaye. L'angle est pas... est galère un petit peu, mais... Oh, merde. Ah oui, c'est carrément galère, même. Ah oui, c'était close, mais il s'en est quand même pris une dans la gueule. Est-ce que je peux lui foutre une dans le cul, là, vite fait? Pile dans le cul. Oh, celle-là, elle est pile dans son cul, hein. Attends, il faut juste qu'il meure. Yes. Ah, fuck. Bon, du moment qu'il meurt, c'est pas grave. Moi, il faut juste qu'il meure, on va le suivre. On va le suivre, normalement, il devrait crever tout seul. Parce que là, il a pris des dégâts, quand même. Il a pris des gros dégâts.
Il y avait un asiatique qu'on appelait Rizière. Oh la vache. Ah ouais, quand même. Tu sens le niveau de poésie des mecs. Du Rembrandt. Il y en a encore un là-bas. Attends, est-ce que tu penses qu'il va claquer? Genre, est-ce que tu penses que s'il claque, ça va le compter quand même comme un meurtre, comment on dit, un meurtre d'un stand? Normalement, oui. Yes. Allez, en espérant qu'il est là-bas. Normalement, il est là-bas. Normalement, il est mort à côté de ses potes là-bas parce que ses potes ont paniqué. Donc, à mon avis, il est là-bas. Ça fait gruc. Looks like all the game has been spooked. Normalement, il est dans le coin. Où est-ce qu'il est, ce gros cul? Oh, il est là. Oh la vache, le bol que j'ai eu. Ok, normalement, c'est bon. Yes! Après les attentats de Bruxelles en 2016, on avait rassemblé tous les élèves de mon école pour faire une minute de silence. En plein milieu, quand t'as un peu moins de 1000 élèves qui ferment tous leur gueule, on entend Johan qui gueule à la Akbar, il s'est fait instant virer. Voilà, le manque de respect total, quoi. Alors, où est-ce qu'on en est? On a toujours pas assez d'expérience pour ça? Il faut combien d'expérience? 800. Eh ben putain. Pour Nico Oxyla? Ok, d'accord. Donc ça va être un peu Tandax du Yonf. Ça, c'est quoi? Two wild boars from less than 70 yards. Eh ben, tout ça, ça va être un petit peu galère, je pense. Tu sais quoi, on va y aller en free hunt, en free party. Attends, il y a quoi ici? Ça, c'est niqué avec... Nanana. C'est niqué avec quoi, ça? Je crois pas, c'est quoi comme type de munition? C'est du buckshot, ça, non? Fais voir. Ouais, j'ai l'impression que c'est du 12 gauge birdshot. Ou alors non, c'est du slug. J'arrive pas à voir. Non, c'est là du birdshot. On va prendre plein de birdshot. On va essayer de niquer du lapin, tiens. À 6h du mat, vous êtes encore en train de bouffer du lapin. Alors c'est bon maintenant. Ok. Allez hop, Fox Creek, on est go. Au lycée, on avait un Renois qui s'appelait Alain. Et il avait raté deux fois son bac. Dès qu'on lui parlait, on disait Alain. Avec un accent Renois ultra cliché, il a pas eu son bac la 30e. Oh le pauvre. Me faire rappeler qu'un jour, un gars avait ramené le revolver de son père au collège. Il avait tiré sur les bagnoles. Oh là là. Bon, allez, il me faut du lapin là. Si je peux trouver du lapinos, on est tranquille. Y'a quoi en face là? Ça va être du cerf encore, ça, non? Ouais, c'est du cerf. Elle va y avoir du lapin, t'inquiète, on va trouver du lapin, on va aller défoncer le lapin, mon gars, ça va être dégueulasse. Faut juste qu'on trouve des terriers maintenant. De toute façon, je pense que le stream il va pas être encore tout à fait trop long. Ah, du coup, ça me l'a partitionné, mon stream, merde. À cause de la coupure. De toute façon, je pense que, ouais, un peu après minuit, je couperai. Comme ça fera un petit stream tranquillou, normalement. Est-ce que vous vous êtes bien amusé ce soir à voir New Dawn et à voir un peu de Cabela? Ça vous a plu? Je vous entends pas. Mais je viens de me rendre compte que j'ai fait un petit peu un lancement style DJ années 90, donc... c'est quoi ça là-bas? C'est rien, c'est le ciel. Shaolin, un vietnamien de ma classe, tout le monde l'appelait le chinois, à force il s'est habitué, c'est un mec super cool. Bah c'est un peu comme Koussi. Koussi, tout le monde l'appelait le rebeu, mais il est pas arabe. Hein. Il a un truc genre kabyle ou berbère ou je sais pas quoi, mais il a rien à voir avec les arabes, et pourtant il s'y est fait. Comme quoi la pression sociale, ça change tes origines, hein. Bon, y'a pas de lapin dans ce coin là. Il est berbère, Koussi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Il est pas arabe du tout, quoi. C'est quoi ça là-bas? Y'a un truc qui court. Y'a un putain de truc qui court, qu'est-ce que c'est? Où c'est un coyote? Oh mon gars. Voilà. Pécab. Oh là, y'en a un autre là-bas. Ça, c'est du bon massacre comme j'aime ça. Oh, encore un. Oh yes. Ils sont où les autres? Quoi? J'ai entendu frouf frouf. Bon bref. C'est certainement le vent. Sans doute le vent. J'essaierai d'en faire hors stream pour débloquer les autres zones. Parce que du coup ça nécessite quand même un peu de grinding, mais bizarrement c'est assez bien dosé. Et le grinding il est pas trop chiant. Je sais pas comment ils ont fait, je sais pas. Comment ils ont réussi à...
à faire en sorte que le jeu soit fun alors que c'est censé être juste un jeu de merde. Putain. J'adore. C'est vraiment, c'est la cruauté gratuite quoi, ça c'est bien Cabela quoi. Il en restait un, je crois. Je crois qu'il en restait un, non? Il est parti où cet enculé? J'ai tout celui-là? Mon gars, j'en ai chlassé de la bestiole. Le massacre, ça me fait penser au sketch des inconnus de Bon Chasseur. Ah bah là, c'est clairement ça, quoi. Là, c'est la chasse à la galinette cendrée au calibre 50. Et en cage. Y a pas de lapin dans le coin. J'essaie de voir s'il y a des terriers, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas forcément dans la bonne zone pour les lapinos. Oula, et puis je suis en train de me rapprocher du coin où il y a les radiations, là, donc on va bouger un peu par là. Ça, c'est bien Kabila, mais arrêtez avec ça, non, c'est Kabila. Je viens de me souvenir d'une meuf qui parlait aux arbres au collège. Elle est venue 2 semaines. Elle s'est barrée après. On avait essayé d'aller lui parler, mais c'était une sorcière. Nous, à la fac, on avait une nana qui courait en rond. À chaque fois, au moment des pauses, tous les fumeurs, du coup, allaient dehors. Et il y a une nana qui foutait ses écouteurs. Elle était un peu... Elle était pas grosse, mais un petit peu thick, tu vois. Elle avait un vieux sourire sur la gueule et elle courait en rond. Elle courait en rond au milieu de la cour. Mais un cercle de 20 mètres de diamètre, quoi. Minuscule. Elle courait en rond. Et personne n'a jamais compris pourquoi. Personne n'a jamais compris de quelle façon. C'était ouf. Ma théorie, moi, c'est qu'elle aimait summon des monstres. Summon de Beauvoir. Mais sinon, moi, en apprentissage, équivalent suisse de BTS, mon surnom, c'était Adolf ou Hitler en fonction des jours. Ah, c'est pas de chance. C'est à cause de mes initiales qui sont AH. Ah, merde. Oui, en effet, ouais. En effet, c'est vraiment pas de bol. Ah, ça, c'est vraiment pas de bol. C'est cruel et c'est vraiment pas de bol. Day Gear Credit. Donc ça veut dire que là pour l'instant j'ai rien chassé quoi. Ce que je suis en train de faire ne sert à rien. Très bien. Mais il me faut quand même que je nique du lapin. C'est quoi ça là-bas? Ils sont en train de chier. Je chie pas sur la propriété, ça l'enculé va. Est-ce qu'il a fait semblant d'être mort? J'ai l'impression qu'il fait semblant d'être mort. Parce que genre il a couru mais il a pas couru après. Bon, beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Watch the wind. Ça fait quoi si tu sors de la map, tu prends un mortier? Non, tu peux pas, il y a juste un mur invisible qui dit attention, tu peux pas aller par là, parce que sinon c'est très fun. C'est dommage qu'il n'y a pas d'environnement urbain, tu dois chasser du rat, du chat et tout, tu sais. A vous, ce serait marrant, à vous, ce serait gaulerie. Je suis en train de vous lire, hein. C'est pour ça des fois que je ferme un peu ma gueule, mais je suis en train de vous lire, vous parlez énormément. Au collège, on avait un mec d'une classe spéciale où t'avais que des gens spéciaux. On l'appelait la moule parce qu'à chaque fille, il leur disait toi et moi, on va se marier et on mangera plein de moules. Et on mangera plein de moules. What? Mec, en plus, c'est limite mignon, tu sais. Et un peu spécial, mais c'est mignon. Il a envie d'acheter des moules à sa copine. Mec, j'aurais été une meuf, j'aurais dit oui direct, en plus c'est des moules gratos. T'es fou toi. C'est quoi ça là-bas? C'est un caillou ou c'est... Ou c'est vivant? C'est un caillou ou c'est vivant? Ok, c'est un caillou. C'est bon. C'est bon, on est tranquille. Ok, il faut qu'on trouve des terriers, mais le problème c'est que c'est un peu dur à trouver. Et je sais pas trop dans quel... Est-ce qu'il y a des mecs qui sont bons en chasse ici là? Qui me disent où ça se trouve les terriers? Pourquoi ça fait pleurer ce qu'on entend là? Attends, je vais passer parce que c'est de la merde. Arrêtez de me faire chier, Lyon, je suis pas là pour ça, moi. Madame Sombré, on y est? Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'elle, d'ailleurs. De quoi? Jésus? C'était quoi? C'était dans la chanson? Bah non. De quoi?
Est-ce que j'ai des puissances supérieures qui me parlent pendant que je suis en train de me balader ou quoi? C'est pas habituel la voix? Bah non, j'ai jamais entendu ça. Normalement, ils parlent par la radio. C'est totalement habituel. Ah bon? Ah bah j'ai pas fait assez de chasse alors. Il y avait lui et un mec, on l'appelait Elmo le Gros parce qu'il était énorme, mais genre colossal. Mais il avait une voix ultra aiguë. Oh non! Oh les pauvres! Oh, mon frère m'appelle Pedro. Et il disait à chaque fois Pedro qui pète de trop. Jamais compris. Mais lui, ça le faisait rire. Et quand je disais bah arrête, il faisait ballon. Et après, il m'envoyait des ballons de basket dans la gueule. Et ça faisait. Tu sais le ballon de basket vide un peu là. Qui fait. Et à chaque fois dans la gueule. Mais je pouvais rien dire, il avait des guns dans sa caravane. Du coup, je pouvais vraiment littéralement rien dire. Une fois, il fait « Pedro, viens voir !» Alors je fais « Bon, bah d'accord, je lâche tout ce que je fais et puis je vais voir, parce que sinon tu vas me tabasser. » Et puis je rentre dans sa caravane, et il fait « Tiens, regarde !» Et je regarde juste à côté de sa Mega Drive, et il avait un putain de Colt 1911, pas un pistolet d'alarme, un vrai Colt 1911, plaqué avec du faux or, tu sais, qui brille quand même, qui miroite un petit peu. Et ce bâtard, il se la pétait avec son gun. Il fait « Ouais, regarde, je suis un criminel, clac, clac, skibidi-pap, skibidi-pap. » Et ensuite, il a fait 6 mois de tôle. C'était la bonne époque. C'était Youssouf Amir. Ah oui, non, mais c'était bien. C'est des matins où, si tu veux, un mec comme ça, c'est des matins, tu te réveilles tranquille, tu vas dans la cuisine. Qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Tu sors ton bol. C'était un bol avec ton prénom dessus, c'est la fête. Tu te sers tes chocs à pic, parce que c'est quand même la meilleure céréale. Tu sers ton lait. Tu lèves ton bol, tu le fous à ta bouche, tu te balades à côté de ta baie vitrée pour voir un peu comment c'est dehors, parce que c'est joli dehors dans 56. Et tu vois ton frère en train de poursuivre ton père et qui essaie de lui foutre des coups de cric. Et ton père qui chope vite dans son coffre arrière la gazeuse. Et puis c'était une bonbonne de gaz contre ours, hein. Enfin c'est des trucs énormes, tu sais, des espèces de pistolets à gaz en fait. Et il lui a gazé la gueule, il s'est pris juste un petit coup de cric dans l'épaule, mais apparemment ça allait. Et ensuite on est tous allés manger des frites à Wendy's. Non, c'était quoi, Burger King ou Wendy's? Je sais plus, à Brest. C'est quoi ton bled? C'est pas un bled, c'est ma famille, lol, truche. Ah, les coups de cric, fallait aimer, hein. Bon, je croise toujours pas de lapin, mine de rien, là. Parce qu'en parlant de coups de cric, J'ai quasi jamais vanné les gros, déjà ça part super mal, parce que j'étais pas mal gros avant et je le suis encore un peu, mais aujourd'hui, si on se fout de ma gueule, je peux répliquer à coup de pain, mais bizarrement, ça arrive rarement qu'on se foute de ma gueule. Bah oui, les gens, soit ils sont gentils, soit ils ont peur, hein. C'est pour ça qu'il vaut mieux inspirer la crainte et le respect. T'es qu'un PD, Poléon. Poléon, t'es qu'un PD. Bon bah ça fait un quart d'heure que je tourne en rond, mais y a toujours pas de lapin dans cette connerie, hein. C'est quoi ça? C'est une touffe d'herbe. M'intéresse pas. Poléon, tête de caca. Christophe, tête de caca. Oh, ça me tue. C'est un lapin, ça. Putain, c'était une feuille. Fuck, j'étais super hype, mais c'était juste une feuille. Arrête. 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 Où j'ai mes fatches. Bon, y a que dalle comme lapin. Je pense qu'il va falloir qu'on se barre. Je pense que je suis pas au bon endroit. Il va falloir que je fasse une chasse dans un autre bled. Peut-être en River Gorge. River Gorge profonde. Là dans le coin, on va y en avoir, je pense. Ouais, là ça pue le lapin là. C'est quoi ça? C'en était un. Oh putain. 1 sur 10, on est bon. Ah, y'a des terriers partout là. Mon gars, ça va jouer à tape la taupe. Oh, le bruit de rechargement, j'adore. Y'a personne d'autre là? Mon gars, parce que là, ça va taper la taupe et vénère là. Oh. Tiens, dans ta gueule. Oh. Reste là. Hop, dit Taras. Y'en a d'autres. Je sais qu'il y en a d'autres. Impeccable. Ils viennent à l'abattoir de leur plein gré, les mecs ici. Attends, je recharge et je m'en occupe de vous. T'as vu cette merde? Est-ce que t'as vu cette merde?
Voilà, on est bon là. Allez hop, let's go. Ça c'est dans la boîte. Ça c'est tranquillou. Il y en a beaucoup trop, mec. Je crois qu'ils sont en train de niquer au fur et à mesure que je les chasse en fait. Du coup, ça avance pas. Allez, on quitte. Impeccable. Yes. Allez, 8000 balles. Tranquillou. Bon, j'ai 18000 balles, c'est pas trop mal. On peut choper pas mal de trucs. On va pouvoir être dans la possibilité de choper pas mal de trucs. Par exemple, le 7mm là. Ça c'est pas mal parce que ça tire très très large. Et du calibre, enfin c'est même plus, on parle même plus de calibre à ce niveau-là si tu veux ça. C'est limite un sabot en fait. Ou alors on attend d'avoir 40 000 mais c'est un peu long. Là 20 000 on peut quand même se choper le 7 mm Magnum quoi. Donc à mon avis on va essayer, tu sais quoi, regarde. C'est quoi ça comme balle? C'est des balles chemisées partitionnées ça. On va prendre le bolt action, on va prendre des partitionnées parce que je crois que c'est ça qu'ils ont mis là. Ouais, à mon avis c'est ça. Et on va essayer de niquer du coyote. Parce que c'est ça qu'on doit niquer là, on doit niquer du coyote. Et à mon avis, on va pouvoir faire ça assez rapidement si on va à à Fox Creek du coup. Tac, et on va essayer d'en niquer. Il faut qu'on en nique 8. Par contre, j'aurais pas dû prendre la lunette. Attends, on va quitter là parce que j'aurais pas dû prendre cette lunette là. Il faut pas une lunette x4, il faut limite que j'y aille que avec la mire quoi. Mire LED machine. Ha. Ha ha ha. Hi ou. Je peux pas la retirer ? Ah non, merde, j'avais déjà la two times. Et jusqu'à quoi ? Il y a quand même jusqu'à 6-12, hein. Il y a quand même 12 fois, c'est-à-dire que les mecs, ils veulent chasser les animaux qui sont à Fallujah, quoi. Mais c'est un loup ou c'est un... Ah non, ça, donc ça, c'est bien un coyote, ça, c'est un harnaire. Ok. Allez, on va aller à Fox Creek. Let's go. Bonne nuit, Nate. Salut, mec. Et merci d'être passé, man. Ça fait toujours plaisir. Il y avait Adrien au collège qui avait craqué sa Wii pour installer des mods sur Modern Warfare 3. Il arrêtait pas de se la péter, de jouer à la Wiimote comme un loser. Tout le monde se foutait de sa gueule parce qu'il avait pas l'argent pour une PS3 comme les autres. Oh l'horreur. Oh l'horreur du truc. On est vraiment des fils de pute quand on est gamin, mine de rien. Nous, il y avait Jonathan. Mon gars, Jonathan, il avait ramené la PSP, t'sais, la vieille, la fat. Quand, le jour où elle est sortie, mon gars, une journée ça a pris pour qu'il la retrouve plus. Hein. Une journée. Et c'est, pour une fois, c'était pas moi. Moi je suis toujours un connard. c'est vrai ce que tu dis. Un petit coyote, y'aurait pas un petit coyote dans le coin là? Ça pue le coyote là, y'a Polyon qui a envoyé un roman mais je cherche un coyote, j'ai la flemme de lire. Dites-moi si c'est drôle. Avant que je lise, comme ça je perds pas mon temps. Je pense que c'est bien avec la 270 partitionnée qu'il faut les chasser en tout cas. Hein. Oh putain, j'ai vu une feuille. J'ai vu une feuille, je crois que c'était un putain de coyote, mec. Ça rend vraiment psychopathe ces jeux-là. Hein. Ils disent, ouais, les jeux, ça rend pas fou. De toute façon, il y a des études qui prouvent que... Moi, je te dis, moi, ça rend fou, moi. Moi, j'ai envie de tuer des gens, maintenant. J'ai envie de tuer des animaux, moi. Non, je déconne. BFM TV, je déconne. On a regardé BFM TV la semaine dernière avec Drake Tan et les potos. Et on s'est rendu compte que c'était quand même sacrément de la merde. C'est pas spécialement marrant, mais c'est vénère. L'été dernier, j'étais avec ma meuf à une fête de rue, un truc qui se finit rarement sobre. Elle va pisser et au loin, je vois un mec avec un appareil photo Nikon en train de la prendre en photo, en train de pisser. Je lui ai mis deux grosses claques quand il était au sol. J'ai pris son appareil, je l'ai balancé dans la flotte et mes potes sont arrivés en courant pour me retenir. Eh bé. J'ai passé une sacrée journée. Putain! Un fox! Non, ça marche pas, ok. Il faut bien que je trouve un coyote et non pas des fox. En même temps, je suis dans un coin qui s'appelle Fox Creek, alors c'est vrai que... Peut-être un peu de ma faute. Je suis en train de crever la dalle. Je sens mon estomac vide en train de hurler famine. Famine, famine. Et ça chie de ouf. Je pense que je vais couper dans pas longtemps et aller bouffer un truc. Si c'est pas d'extraction dérangiste. De quoi je parle, je suis vraiment un connard. Ryan, il avait tenté de voler Robin, sauf qu'il s'est fait choper. Du coup, Robin, il avait gueulé. Tu voles, tu pètes, t'es ma pute. Ah ouais, carrément, quoi. Ça sort des mêmes. Oh, ça, c'est que des petits troncs d'arbres. Non, c'est la merde.
C'est la merde. Bon, je pense que j'essaierai quand même de chasser hors screen. C'est con parce que il manque pas beaucoup, je crois. Je crois qu'il manque genre 1500 ou 1200 ou une connerie comme ça pour passer. Pour avoir assez de thunes. Ça se trouve, je peux essayer d'attendre. Ah, je peux essayer de chasser un truc aussi. C'est possible. C'est fort possible. Poulou, on va voir FP. Ouh, ça a mis Christophe tête de caca quelque part là. Ouh, ça a mis Christophe tête de caca, je le sens. Ah, ça gric. Ouh. Ils sont barrés. Ils se sont. Ouais, évidemment, ils s'étaient pas barrés, mais c'est comme je suis con et que je suis trop impatient. Et bah, je fais n'importe quoi. Bon, bah, tant pis. Bon les gars, je pense de toute façon que je vais couper là. Ça a été cool ce petit moment de chasse là. On a quand même réussi à choper 2-3 trucs. La prochaine fois, j'essaierai du coup de débloquer les autres coins. Parce qu'il y a des coins avec des forêts un peu mieux. Il y a des forêts un peu enneigées et tout. Et ce sera plus sympathique. En tout cas, moi je vous fais un gros bisou. J'espère que ça vous a plu hein, ouais, cette petite soirée sur New Dawn. On a fini New Dawn du coup. Je vais pouvoir me concentrer sur un autre jeu. Je sais pas encore tout à fait ce que je vais faire en série complète. Sauf que dans pas longtemps aussi, je pense qu'on va avoir fini Resident Evil HD Remaster. Donc je sais pas trop ce que je vais faire en guise de prochain stream récurrent. Mais je vais essayer de trouver un truc cool, Skyrim. Non mais Skyrim... Ou alors Skyrim, ok, mais blindé de mode de merde. Oh, fuck. Bon, tant pis. Allez, je vais couper les gars. Je vous fais d'énormes tout petits bisous. Et ben je vous dis à la prochaine. Je vous fais d'énormes bisous encore une fois parce que je parle en rond. De quoi tu parles? Tant pis. Je vais vous laisser un tout petit peu de musique et puis je vais vous laisser aller vous coucher. On fait comme ça, d'accord? Qu'est-ce que j'ai de ça? J'ai ça va être la fête. Allez, c'est la fête les gars. Allez, bonne nuit les gars. Ciao, au prochain stream.